Call of d'un côté, il y a Battlefield de l'autre. C'est comme dans le foot, hein. Il y a PES d'un côté, eFootball. Et FIFA de l'autre. Eh bien, en ce moment, du côté de Battlefield, on fait dans le test technique. Voilà. Depuis quelques jours, il y a des tests techniques qui sont lancés. Alors, si vous n'en apprenez rien, si vous ne voyez rien, c'est normal, c'est que les personnes concernées sont sous NDA strict et ne peuvent rien vous montrer partout. Voilà, là, c'est des images du gameplay officiel, hein, pour l'instant. Et donc, eh bien, les tests techniques ont commencé sur PC, et visiblement, ça se passe pas mal. Les invitations sont parties pour ce week-end sur Xbox, et sur PlayStation 5, eh bien, ça a été annulé ce week-end. Oui, regardez ce que dit le lead Community Manager d'Electronic Arts, il dit, alors voilà, on a identifié un problème critique sur les versions PlayStation 5. Ok, donc on a prévenu les gens que, bah non, vous n'allez pas pouvoir tester sur PlayStation 5 ce week-end. Mais donc ça devrait rapidement revenir dans l'ordre, mais ce week-end, il n'y a pas eu de test technique. Ils vont enchaîner aussi après sur le crossplay, etc. Mais en vérité, bah, ce genre d'événement, c'est fait pour ça. Hein. Tester les bugs, voir les compatibilités, là où il y a des problèmes, etc. Pour pouvoir les régler en amont. Le jeu est prévu pour le 22 octobre prochain, donc il y a quand même encore un petit peu de temps. Et ça, c'est vraiment des tests techniques sous NDA. Mais mon petit doigt me dit qu'évidemment, il va y avoir de la bêta, etc. Un peu plus ouverte. Parce que je rappelle quand même que le jeu, ce 2042, hein, cet épisode 2042, il est 100% focalisé sur le multijoueur. Pas de solo. Donc, pour faire du multijoueur, faut le tester avec d'autres joueurs, pour être sûr que tout se passe bien. Donc, tout cela, eh bien, va être mené dans les jours et semaines à venir. Patience, tout le monde sera servi, puisqu'il sort sur à peu près toutes les plateformes.